Boum! Pouf pouf YouTube, bienvenue! Petite vidéo découverte sur le jeu qui s'appelle Urgence 112 ou Emergency Call 112 ou Notruf 112. On est en direct sur Twitch, donc vous aurez de temps en temps des petites notifications. Et on est parti pour découvrir ce jeu qui est un jeu de simulation de pompiers. Mais avant, je vous montre la bande-annonce. Parce que vu que c'est un jeu de simulation et que je sais pas trop, je me suis dit, attention, alors la vidéo, j'ai été la chercher sur le site d'Instant Gaming, hein. C'est pas un placement de produit Instant Gaming. Enfin si, mais non, parce que je suis pas payé pour le faire. Mais du coup, vu que je l'ai acheté chez eux, bon, j'ai été prendre la vidéo chez eux. Alors regardez bien ce que ça nous dit. Je vais baisser le son, voilà. Grosso modo, vous avez été très nombreux à me proposer en commentaire ce jeu, sur mes vidéos YouTube. Alors j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. J'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs que vous pouvez faire également. Et ça m'avait pas l'air trop dégueulasse. Pour une fois, c'était pas juste un jeu de gestion simulation en vue du dessus. On incarnait vraiment un sapeur et on allait au feu. Et du coup, je me suis... Voilà, ça. Moi, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, tiens, intéressant. On incarne un mec, on peut monter dans les véhicules, on peut utiliser les moyens d'extinction qui sont dans les véhicules et tout ça. Je me suis dit, allez, allons voir... Alors, j'espère que le jeu n'est pas en full allemand. Déjà, là, au niveau du menu, on voit que c'est en anglais. C'est une version Steam. Le jeu fait 3 ou 4 gigas, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, voilà un petit peu pour le truc. Pas besoin de vous en montrer plus. Voilà, la vidéo dure plus d'une minute. On peut faire pas mal de trucs avec les véhicules, j'ai l'impression. On a des échelles et tout ça. Bref, nous allons en voir. À noter que, à ce que j'ai compris, le jeu a été fait en partenariat avec un... Je sais pas comment appeler ça, un SDIS allemand, on va dire, pour les Français, pour les Franzosis. Un SDIS allemand, et grosso modo, normalement, ce qui est dedans, est, ça doit se rapprocher à peu près de la réalité. La description nous dit quoi? Urgence 112 simule en détail la vie trépidante d'une caserne de pompiers d'une grande ville. Ce programme a été développé en collaboration avec les pompiers de Mülheim, en Allemagne. Voilà, c'est ce que je vous dis, collaboration. Mülheim a l'un des corps de pompiers les plus importants d'Europe. Alors, moi, je connais pas Mülheim, vous non plus, sûrement, mais capa, on s'en fout. Grosso modo, caractéristiques, caserne de pompiers, véhicules, équipement, lance-incendie, incendie, assistance, propagation, nombreux scénarios, accident de la route, marée noire, incendie, patati, patati, patata. Bref, on va donc aller voir ce que ça donne de suite, en espérant que ça marche, et on va donc se faire notre avis ensemble sur ce jeu. À noter que... C'est un jeu de simulation, donc c'est toujours un petit peu pile face-face, c'est-à-dire, soit le jeu est bon, et on va bien s'amuser, soit il est moyen, avec des bugs un peu chelous, et on va bien s'amuser, soit il est vraiment nul à chier, et on va pas s'amuser. À ce que j'ai vu des vidéos, il serait plutôt dans la première catégorie, c'est-à-dire il a l'air d'être pas mal réaliste. On va aller voir ce que ça donne, c'est sorti le 11 novembre 2016 sur PC, dispo en allemand, anglais, et français. Moi, j'ai une version Steam. Je viens de l'acheter à l'instant. Je l'ai acheté pour faire cette vidéo. Donc, il y a intérêt qu'il soit cool. Sinon, j'aurais encore claqué mon argent pour rien. 30 balles pour ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se dire 30 balles pour ça. Rat, t'as vraiment de l'argent acheté par les fenêtres. Alors, on est parti. Vidéo découverte. Bonjour et bienvenue à Emergency Call 112. Et si je gueule pas, c'est parce qu'il est assez tard. Pou 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 pou. Effectuer de nombreuses tâches quotidiennes dans un service d'incendie professionnel. Dans ce jeu en monde ouvert. Quand c'est mis en monde ouvert, généralement, ça me fait légèrement rigoler sur ce type de jeu, mais. Pourquoi pas? Vous allez effectuer une grande variété de missions de jour comme de nuit. Vous pouvez sélectionner différents membres dans l'équipage. Appuyez sur Tab pour voir sur quel véhicule vous êtes affecté. Amusez-vous. On est parti. Pourquoi je suis roux? Pas de souci. On aime tout le monde. Pas de souci. Alors, je pensais qu'on allait pouvoir custom son perso. Donc on est parti. Ce qu'on peut voir et ce que je note. C'est qu'on a 60 FPS, pas du tout, on est à 30 FPS, c'est quoi ce viol? Ah non, c'est bon. Ouais, 47 FPS dans un couloir sans animation, c'est dur. Il est 7h34, on est lundi, et, ça c'est important, c'est en français. Alors, F1, changer de membre. Je suis un chef d'équipe, mon véhicule est TLF 1-24-2. Très bien, très bien. Et je dois aller... Donc je pense que c'est une prise de service... Attends, la porte, elle s'ouvre toute seule. Ah oui, intéressant. Très bien. Alors, attendez. On est parti. Allez à la caserne. Alors, ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant, ça a l'air marrant. Est-ce qu'on peut descendre avec ça? Attendez. C'est quoi la touche? Oh! Oh, je suis tombé, quoi.
Bon, c'est pas grave, c'était quand même vachement impressionnant, je trouve, comme saut. Alors, voyons voir, on a donc là le garage à véhicules. Les petits véhicules, à noter que je ne suis pas pompier, je ne suis affilié à aucun SDIS, hein. Donc, si je dis des conneries, bah, en commentaire, vous me direz, coucou Ra, ce véhicule, en fait, c'était ça, et tout ça, tu t'es trompé, patati patata. Hein. Je suis pas pompier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aller à la position, alors, attendez, on va essayer d'aller à la position. Ok. J'ai touché un truc qui paye pas. Voyons voir. Alarme fumée dans un lieu privé. Sélectionner un membre d'équipage impliqué dans la mission et cliquer sur démarrer. Donc grosso modo, il y a une inter qui vient de se passer. Donc moi je dois cliquer. Alors qu'est-ce qu'on a en véhicule? On a un véhicule poste, un fourgon pompe tonne, camion citerne, une échelle pivotante. Moi je vous propose d'aller au tonne. Chef d'équipe. Ah d'accord. Donc on a chef d'équipe d'attaque, chef d'équipe d'alimentation. Dans la vraie vie c'est pareil. Équipier attaque, équipier alimentation et mécanicien. Conducteur du véhicule d'incendie. C'est pas mal ça. Pour une première mission, je vous propose de monter à bord de LE24 en tant que pilote. Ok, on est parti les gars. On est parti, on est parti. Oh, c'est génial. C'est en allemand et tout, c'est génial. Ok. Ouais, j'arrive. J'arrive. Alors, notez que pendant la PGW. Oh, c'est génial. Pendant la PGW, moi et Nico, on dormait en caserne de pompiers de Paris. Et merde, c'est là les trucs. Et du coup, on était réveillés par les. Tu peux plus courir, toi? Et du coup, on était réveillés par les départs en pleine nuit. C'était ouf. Donc là, on va voir. Alors, donc là, je dois monter dans mon véhicule. Alors, moi, j'ai pris conducteur FPT. Alors, normalement, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas de conducteur, parfait. E, embarqué. Ouf. Est-ce qu'on peut changer la vue? Alors attendez. Gyrophare 3, 2 tons 2. Ok, moteur M. Moteur. Moteur, il marche pas. Attendez. Oh putain, c'est fou! C'est fou, c'est fou! Moteur. Attends, mais moteur, il marche pas. Bah alors? Attendez, je vais peut-être régler mes touches. Vraiment, je les ai réglées, mes touches. C'est quoi pour démarrer le moteur? Ah, il n'y a rien pour aller sur marche. Ok. Bah attendez, je fais mes switches au clavier. A tout de suite. C'est bon, on est de retour. J'ai réussi à démarrer le moteur, les gars. On est parti. Allez hop, on met les sonnettes, on met tout le bordel. Je dois aller où? Je dois aller là-bas. On est parti. J'ai mon clignotant gauche qui est mis. Voilà, nice. Ouf. Ce monde incroyable. Est-ce qu'on peut changer de vue, à votre avis? Attendez. Donc là, on part sur... on part sur... une alarme fumée dans un lieu privé. Donc on peut s'imaginer que c'est un... Voilà. Vous savez quoi, on va... Ça fait tellement de bordel. Non, par contre, je veux les gyros, moi. Voilà. On peut s'imaginer que, grosso modo, c'est... Dans un lieu privé, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un détecteur de fumée, par exemple, qu'on aurait détecté. Et on peut s'imaginer un détecteur de fumée qui soit relié à... Je sais pas, je vous dis une connerie, un SSI, et puis boum, ça fait biper, et puis on n'en parle plus. Très bien, on arrive sur les lieux. On est parti. Conduisez, allez à la maison. Alarme de fumée dans un lieu privé. Attendez d'autres instructions. Donc, il y aurait de la fumée. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que vous avez compris. Attendez jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé sur les lieux. Où il y a du monde. Alors, je ne sais pas trop où moi je dois me mettre en tant que FPT. Je pense qu'on va se mettre là. Temps de sortir les trucs, sortir les dévidoirs et tout ça. Ok, il y a le chef qui arrive. Feu de croisement, feu de détresse. On va mettre les feux de détresse. Oh, c'est fou! Les jeux sont vachement sympas. Appuyez sur retourne pour démarrer la mission. Ok, on est parti les gars, démarrage de la mission. Alors on va aller voir ce qu'ils font. Donc on est avec l'ARI, appareil respiratoire isolant. Petite sortie des trucs. Donc là on a le... Ici, le chef d'agré à l'écoute. Oh c'est génial! Oh c'est fou!
Ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Alors attendez, on va prendre un... Parce que là, nous, on est juste le chauffeur, donc on va essayer de prendre un truc un peu plus stylé. Allez, à dévidoir, utiliser dévidoir. Donc là, hop, je prends dévidoir. Poser dévidoir. Je pose dévidoir. Attendre d'autres instructions. Avons trouvé l'alarme qui a été déclenchée. Tout est alarme feu négatif. Fausse alerte. Tout ça pour rien. Dommage. Ça aurait été cool. Ah, c'est ouf! Et tout est en français. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. A plus à ceux qui disent go, les gars. Bisous, chouchou. On est sur Urgence 112. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch incroyable. Et sur YouTube, si jamais ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres épisodes, un petit like. Et on s'abonne YouTube en description, comme d'habitude. Alors, attends, on va aller voir. Aucun foyer n'a été trouvé au niveau de l'alarme. Ok, ça marche. Donc, en fait, c'est une fausse alerte. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Détecteur de fumée qui a déclenché. Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait des SSI dans des habitations. Quoique, en Allemagne, je sais pas. Donc, à mon avis, on peut s'imaginer le délire que, grosso modo, les gens, ils sont partis en vacances. Ils ont tout mis sous alarme. Le détecteur de fumée, il a détecté quelque chose. Excusez-moi, l'alarme a bipé. Les voisins ont appelé les pompiers. Et du coup, les pompiers sont là. Donc là, on attend les instructions. Alors, quelles sont les instructions? Je baisse un peu le son parce que je vais devenir sourd. À mon avis, le dévidoir, du coup, on peut le ranger, je pense. Toc, 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 toc. Est-ce qu'on peut le... Ah oui, ça, c'est cool, ça. Attendez. Je voudrais que tu le remettes. Ah non, attendez, attendez, c'est fou. On peut ouvrir les trucs dans les véhicules. Ah, oh, c'est génial. Les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux. Et là, c'est quoi? Ah oui, carrément, avec les lances et tout. Désolé, frère. Il a pas trop kiffé que je touche à tout. On peut refermer. Ah, oh, c'est génial. Du coup, fermez la porte du véhicule. Ok, on ferme tout. On rentre à la maison. Moi, je suis donc conducteur, donc je monte dans mon véhicule. Chauffeur poids lourd. Ok. Fermez la porte du véhicule roulant. Voilà, c'est bon. Tout est fermé. Fermez la porte du véhicule volet roulant. Ouais, bah c'est bon. On est parti? Ah, merde. Ah, j'avais laissé tourner le moteur, tiens. Fermez la porte du volet roulant. Attendez, on va aller voir. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Attention, attention, attention. J'ai arrêté quelque chose. On va voir. Fais F1 pour changer de perso, vous avez raison. On va se tenter quelqu'un d'autre. Genre F2. Donc là maintenant, je suis l'adjoint chef de groupe dans ce qu'on pourrait appeler petit véhicule sympathique. Et maintenant, ma mission, c'est conduire et aller à la caserne. Donc on rentre. C'est génial, les véhicules, ça fait bien sympa Noël. J'adore ce type de véhicule. Ah, il y avait même l'ambulance et tout. Ah, c'est génial. Et vraiment, c'est fou. Je peux éclairer les alentours avec 8. Ah, peut-être la nuit. Donc là, normalement, j'aurais dû faire ça. Ok, très bien. J'ai raté la caserne de pompiers et pas du tout par là. C'est pas grave. Le GPS, il est un peu en PLS, hein, par contre. J'ai dit ça, je dis rien. On met le doton. Est-ce que les gens ils s'arrêtent? Ils se mettent en warning. Hop là, on passe. On peut s'imaginer avec un peu plus de circulation, peut-être par la suite, ce serait oufissime. Donc là, on passe sur le feu rouge. Ok, bon. Ils ont un peu du mal, les PNJ, avec le feu rouge, je trouve. Pareil pour le GPS qui me dit que je dois... Ok, on fait un retour. Retour caserne. Conduisez à aller à la caserne. On va le mettre en marche. Oh non, quoique non. On va aller dans le fond comme ça. Ok. Attends, mais c'est pas la caserne de pompiers, ça. Merde, c'est des ambulances. Vous imaginez le fail. Le mec, il se trompe de... Caserne de pompiers, elle est plus loin. Ah ouais, merde, désolé. Et rip. Rip, rip, rip. Le mec, il se trompe. Et il met le camion de pompiers où vont les ambulances. Allez là, la caserne de pompiers. Je sais pas où était ce véhicule, on va le mettre là. Pff, aïe. J'ai tapé un petit peu, on va se mettre là. Voilà. Conduisez et allez à la caserne. Je suis à la caserne. Alors on va tout couper. B.
Appel d'urgence disponible radio à la caserne, prêt à intervenir. Ah oui, après j'avais mes statuts à changer en fait. Donc en fait, quand j'étais arrivé sur les lieux, j'aurais dû me faire en 4, arriver sur les lieux d'intervention, et après j'aurais dû me mettre en indisponible, et après, donc là je me remets en disponible radio, prêt à intervenir à la caserne, je me mets en 2. Voilà, parce que donc je suis disponible si besoin. Conduisez à la caserne. On y est. C'est pas bon là? Alors, pourquoi on peut plus sortir du véhicule? Attendez. J'ai du mal garer la bête. Peut-être le mettre de l'autre côté. Là, c'est peut-être pour les véhicules qui sont prêts à partir, je pense. Hop là. En tout cas, pour le moment, ce que je vois, ça a l'air bien cool, hein. Au niveau des véhicules et tout, ça m'a l'air bien réaliste. Mais où va ce véhicule de Satan? Je peux pas le mettre sur le parking des visiteurs quand même. Non, à mon avis, je devais le mettre là, je pense. Oh, je découvre. En fait, les jeux de simulation, il y a une logique. Une fois que t'as compris la logique, t'as tout compris après. Mais au début, il faut comprendre la logique. Ah, et là, il me dit que c'est bon. Est-ce que je dois me garer quelque part en particulier? Peut-être là. Ah, par contre, on va arrêter tout ce qui clignote là. C'est pas Noël. Feu de détresse 6. Voilà. M. Allez! Attendez, on va couper 8. On va couper 9. Je peux pas sortir du véhicule. Ah, Satan! Conduisez et allez à la caserne. Mais j'y suis! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vue intérieure. Qui sait ce qu'il faut faire là? Faut que je me garde dans la cour! Ventor! Youp youp youp, Ventor! Gvark! Bienvenue les mecs. Attendez, chérie. Ça, c'est le souci des jeux de simulation. On pourrait dire ce qu'on veut sur ce qui est en train de se passer. Le jeu veut que je le gare à un endroit précis. Tant que je l'aurai pas garé à cet endroit, il va me faire chier. Mais moi, je sais pas où tu veux que je gare mon véhicule aussi. Bon, comme ça, on fait un petit tour du bâtiment. J'ai envie de vous dire, vidéo découverte. Je vais le farmer sur Twitch. Et YouTube, les prochains épisodes seront un peu plus clairs et précis. Là, vraiment, c'est. Où c'est qu'il veut que je gare mon véhicule? Là, il y a les FPT, les échelles. Je pense qu'il allait là, à mon avis, mon véhicule. Hein. Ah, je sais, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je pense que c'est ma touche pour sortir du véhicule qui n'a pas été modifiée. En véhicule, comment qu'on sort du véhicule? Moteur, marche. Réfracté, déployer échelle. Comment qu'on sort du véhicule? Ou alors c'est dans général. Utiliser. E. Ramasser, poser un objet. Utiliser un objet. Caméra, changer la perspective. Ah, c'est pas possible, il va pas vouloir que. Attention, c'est quoi, on va faire une sauvegarde du jeu. Bon, vous savez quoi, le véhicule, je le mets là, et puis on va changer de perso, et puis c'est tout. Hein? On va pas passer 30 ans. En tout cas, les véhicules sont plutôt bien modélisés. Alors, moteur. Mais allez, fais-moi sortir. Il veut pas, les gars. Il veut pas. Je vais te casser en deux. C'est quelle touche pour sortir du véhicule? Non, c'est pas ça. Déplacer, vue intérieure. Ah, nice. Attendez, on va regarder un truc. Attendez. Ça, c'était I. C. Voilà la vue intérieure du véhicule. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré. Donc, vue assez sympa. Volant qui tourne. On a le petit. Et si je suivais les GPS, sinon. Alors, attendez. On va suivre le GPS en vue intérieure. Hop là. Mais à mon avis, on est en train de faire n'importe quoi. Sur le GPS, il sait même pas où je. Attendez. Il y a une entrée de l'autre côté. Il veut que j'alloue. Il veut que je rentre dans le bâtiment là. Allez hop, fuck. Fuck la police. Et là. Il veut que je rentre dans le bâtiment. À mon avis, ce véhicule ne va pas là, vu que c'est un véhicule de pompier. Je vais comprendre la logique, hein. Ça m'a pas l'air bien compliqué, hein. Souvent, c'est des conneries en plus. Peut-être que je me gare sur une place. Et si je me mets là? Là, on est bien là. On est prêt à repartir et tout. Ah putain, je peux plus sortir de la voiture. Balise, feu de détresse. Bon, on va changer de membre d'équipe. Qui c'est qu'on va prendre du coup? Trajet retour, on va prendre F6. Est-ce que je peux. Non, je peux prendre. Et F2, c'est qui? F2.
F2, je peux prendre F5, je serai équipe d'alimentation. Ah, vous êtes toujours là, les mecs! Et je vais pas vous ramener tous un par un, par contre, hein. Donc, on a une vue FPS, comme ça. Bien stylée, je vous l'avoue. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Attendre d'autres instructions. Non, mais là, nous, on va se mettre en 4. On est arrivé sur les lieux. Disponible à la caserne. Trajet vers les lieux. Arrivé sur les lieux. Maintenant, on passe en 6. Ah ouais, mais là, je suis équipier d'alimentation. Peut-être que je prenne le chef, en fait. Attendez, F2. Je vais mettre en chef d'agré. Merde, je peux pas être chef d'agré. Est-ce que je peux être chef d'équipe d'attaque? Très bien, je suis chef d'équipe. C'est un de ces bordels. On dirait pas que c'est aussi compliqué, mais dans la vraie vie, c'est le même délire. Hein. Les gars, quand ils vont au feu, ils prennent pas la lance, il y va pas tout seul. Hein. Tout un monde en pyramide pour que tout se passe bien. Oh, vous avez tellement une tête de déprimé, les mecs. Vraiment. Ça va, frère? Oh, la drogue, les gars. La drogue. Voilà la drogue. Ouais, il me dit qu'il y a les volets qui sont ouverts, mais les volets, ils sont fermés, en fait. Mais ça, c'est un détail. Hein. Là, ce que vous voyez, faut pas vous dire, ouais, le jeu, il est nul. Ray, il a galéré à faire la mission. Hein. C'est le début. Le jeu est toujours en dev. Donc, il est possible que j'ai mal compris. Alors, attendre d'autres instructions. Alors, attendez. Nous, on est là. Nous, on est là. Eux, ils sont pas descendus des véhicules. À mon avis, il faut que je rechoppe le chef du bordel. Trajet retour, trajet retour. Non mais attends, c'est pas moi de conduire toutes les bagnoles quand même. Attendez, si je me mets en F1. Il est où l'adjoint du groupe? Ah, il est là. Oui, c'est vrai, je l'ai rentré. Bah oui, j'allais pas le laisser là-bas lui. Conduisez à la caserne. Toi, je te mets en 0. Appel d'urgence. Très bien, toi t'es bloqué. F2. À mon avis, tous ceux qui ont testé les jeux, ils ont dû se prendre la tête au début sur ce type de conneries. On va se mettre en mécanicien. F6. Oh, pas mal! Dis-moi, Jamy, quel est ce masque que j'ai sur le visage? Sympathique! Sympathique! Je suis porteur d'un Aerie, du coup, j'ai le masque sur la gueule. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Mêlé dans les FPT un par un, ouais. Je pense qu'on va faire ça parce que les gars, ils m'ont l'air un peu paumés, là. Bon, le jeu est sorti il y a pas longtemps. S'il y a des bugs et tout, c'est pas grave. Allez, hop, toi, tu t'assois. On va les faire s'asseoir un par un. En fait, c'est un jeu de simulation, mais vraiment simulation. F5. Toi aussi, tu montes dans le véhicule, allez, boum, tout le monde monte dans le véhicule, comme ça on est content. Allez, on s'assoit. Ouais, j'espère que ce que je fais, j'ai pas à le faire normalement, parce que je vous raconte pas si... Et toi, t'es où? Et qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Ah bah, comme ça, on va voir un nouveau truc. Alors, il n'y a pas de feu, on est d'accord. Et là, vous imaginez, et là, il y a un feu. C'était en mode, what the fuck, pourquoi il y a un feu ici? I. Objectif, ramasser, déposer, utiliser objet... F1, F6, changer de membre. Ok. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est l'équipier qui assaut. On a le petit plan en bas à droite. En mode. Appel. Non, appel d'urgence, c'est moi qui fais n'importe quoi. Hop là, on ouvre les portes. Donc, on peut tout. Donc, on peut s'imaginer, j'imagine que s'il y avait eu le feu, là, on aurait eu des flammes et tout. Et on aurait eu une colonne d'attaque à mettre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Préparer les mecs à y aller. Et ça aurait pu être bien sympathique. Bon, sauf que là, c'est pas le cas. Parce que au final, fausse alerte. Donc ça fait beaucoup de moyens de déployer pour une fausse alerte. Donc c'est pour ça. N'appelez pas les pompiers pour faire des blagues. Hein. On va essayer de faire passer des messages dans les vidéos. Ne faites pas le 18, ni le 17, ni le 112, ni ce que vous voulez. Pour blaguer ou autre. Parce que vous avez vu le nombre de véhicules qui est sorti pour une simple connerie. Bon là, bien évidemment, c'était une fausse alerte. Hein. Mais voilà, n'appelez pas les pompiers si vous vous faites chier. Hop là, petit message. Ah, remettez outils de force Alligan à voler roulant. Je crois que... Attends. Ah ok, je dois le mettre là. Attends, tu veux bien t'ouvrir toi? Non, non, attends, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut ouvrir le volet? Volet roulant. Ouais, j'ai encore mes touches à faire. Oh punaise, c'est pas possible. Ce jeu va me gaver. Attendez, général. Ramasser, poser un objet. E. Ah non, utiliser. E. Ramasser, poser un objet. Mettre R. Ah là, on est bon là. Parfait. Alors, attendez, si je fais R, voilà, ça je le pose. Comme ça je peux le... Et il est vraiment casse-couille le jeu. Hein. Il est où le truc? Ça va, Franck? Champion du monde! Alors maintenant, je dois aller au backseat. Attends, ils vont se barrer sans moi. Voilà, donc là on est à l'arrière.
et embarqué comme passager vers caserne, et là on rentre. Je le savais, je le savais. Et je me disais bien, il y avait un truc qui était bloqué, et là c'était mon gars qui était en intervention qui était bloqué. Donc du coup là on fait le retour vers la caserne, on est dans le véhicule, c'est pas moi qui conduis, chose assez rare d'habitude dans tous les jeux de ce style, c'est à toi de conduire, là t'as pas à conduire, t'es... Oh il met même les clignotants et tout, c'est fou, c'est vraiment fou, c'est vraiment ouf ce qu'ils ont fait. Après là c'est le début, un peu d'émerveillement vu que c'est une vidéo découverte, mais moi je l'ai payé 23€ sur Instant Gaming, et en description, partenariat, tu sais. J'ai envie de vous dire, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Donc là, on fait retour maison avec E.T. Et après, j'imagine qu'on peut repartir. Donc là, le feu est rouge, du coup, il passe pas. Par contre, si je me mets en... C'est qui conduit, à votre avis, là? Je sais pas qui conduit dans ce véhicule. Si c'est le chef d'équipe. C'est le chef d'équipe qui conduit ou pas? Non. Attendez, je vais essayer de conduire le véhicule. Du coup, c'est le mécanicien. Oui, c'est le mécanicien qui conduit. Très bien. Donc là, on est parti. Voilà. Et on rentre tout simplement à la caserne. Avec donc une vue première personne. Une vue troisième personne. Je sais même pas si le deux tons est autorisé sur le retour, en fait. Après, fuck la logique, hein. Mais on va essayer de pas tout défoncer non plus. Donc là, retour. Petit GPS, vue intérieure. Enfin, vue première personne, troisième personne. On a énormément de moyens de secours, pas mal de véhicules. Le jeu m'a l'air bien réaliste en plus. Et mis à part le petit bug qu'on a eu là, où on était en mode... Et hop, tout le monde descend. On était en mode comment qu'on fait. Sinon, c'est bien stylé. Conduisez à la caserne. Ah, vous savez quoi? Il va me dire que au centimètre près, je suis pas bon. C'est bon là, hein? Ah, attends, on va me dis pas qu'il faut que je sois pile poil aligné. Non, même normalement, c'est là dans la logique, non? Il faut que je le mette en marche arrière. Il faut que je le mette en marche arrière, à mon avis. Donc attendez, on va essayer. Au pire, la vidéo fera une demi-heure. Ah, les collègues qui reviennent à l'instant. Ok. Alors, est-ce qu'ils se font... Ah non, on rentre par là? Ah, d'accord. Attendez, on prend le dessus. Allez hop. D'accord, en fait, on rentre par là, très bien. Du coup, là, je fais demi-tour, j'imagine. Et je me mets prêt à repartir. Ah, mais là, les portes, elles s'ouvrent pas aussi. N'importe quoi, faut rentrer en marche arrière. J'ai rien compris, j'ai rien bité au jeu encore. Ok, c'est pas grave. Désolé, bon. Alors après, ma logique n'est pas forcément la logique du jeu, comme on peut le voir. Je pensais qu'il fallait rentrer par là, en fait, pas du tout. Fallait se le faire en marche arrière. C'est pas grave, les gars. Hein. M'expliquez pas, voilà, c'est ça. Ok, donc je note, rentrer en marche arrière les véhicules, sinon ça ne marche pas. Allez, hop. Est-ce qu'on peut vraiment le faire avec les... Ouais, d'accord, les rétros sont un petit peu bousillés. Allez, vous inquiétez pas. Hop, là, et là, et là, et là, c'est Noël. Et là, c'est Noël. Ok, parfait. Eh bien écoutez, première mission réussie avec succès. On cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Twitch, nous on continue. Oui, je sais, dans l'autre sens, mais j'ai envie de vous dire, bon, hein. Personnellement, ma voiture chez moi, je la mets dans les deux sens. Hein. Puis après, je fais une marche arrière si elle est mal garée, mais c'est pas grave. Donc on cesse là-dessus pour cette vidéo. YouTube, ça vous a plu? Un petit like et on s'abonne. On était sur Twitch. Twitch en description. Bref, bisous, chouchou. Twitch, on continue. On va essayer de faire d'autres missions. Comme ça, si on refait des épisodes pour YouTube, on sera bien calé. Bisous, chouchou.